J'espère que le confinement se passe bien et que vous trouvez de l'occupation en scrapant. Alors aujourd'hui, je vous présente un présentoir pour mettre en fait vos post-it dans la cuisine. Comme ça, vous pouvez noter quand vous avez quelque chose qui vous manque ou choses comme ça, avec un décor en fait, et pour pouvoir mettre votre crayon juste derrière, ici, à l'intérieur. Et vos post-it, en fait, vous allez pouvoir les remplacer puisqu'on va retirer le papier qu'il y a derrière les post-it et pouvoir venir coller le paquet de post-it à son emplacement prévu en bas et le changer quand on veut. Voilà. Donc, j'espère que le projet va vous plaire. Donc, on va le faire ensemble et puis on va mettre une autre déco. On va changer un petit peu et je vous expliquerai comment je l'ai fait. Voilà. Alors, pour ça, il va vous falloir alors un premier papier, donc couleur unie, moi j'ai pris du marron, qui va faire 25,2 par 12 cm. Ensuite, après, sur ce papier, vous allez faire un pli à 8 cm et un pli à 16 cm. Voilà. Donc, pour le premier papier qui va vous servir de support. Ensuite, après, il vous faudra un deuxième papier de même couleur qui fait 16,5 sur 12 cm et vous allez venir faire un pli à 2 cm uniquement que d'un seul côté et sur la partie qui fait 16,5 cm. Ensuite, après, il va vous falloir du papier déco. Alors, moi, j'ai pris du papier un peu couleur, pour celui-ci, couleur or. Donc, il va vous falloir un morceau. Celui-ci, il fait exactement, je vais vous dire, c'est pour le renforcer, en fait. Et donc, il va vous falloir un papier qui fait... Alors, je vais vous dire ça tout de suite, je ne l'ai pas noté. Alors, qui fait exactement 12 cm par 16,5 cm. Donc un morceau qui fait 12 cm par 16,5 cm. Ensuite après, il vous faudra deux morceaux de la même couleur qui fait 11 sur 7,5. Et ensuite, il vous faudra un morceau de la même couleur, papier design, qui fait 11 cm sur 8,5 cm. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous faudra pour faire en fait notre base. Ensuite, après, je vous expliquerai comment j'ai fait la déco. Alors, on va prendre notre premier support qui fait 25,2 sur 12. On va venir le plier comme ceci. Alors, ah, ça, c'est mes chiens. Donc, le premier pli qui était à 16 cm, on va venir le plier dans ce sens-là et en fait on va former un accordéon, ce qui vous donne ça. Voilà. Donc la plus grande partie, on va la mettre en bas et le reste, on va faire une petite montagne avec. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc on va prendre alors le premier papier où on a fait un pli à 2 et on va venir mettre de la colle sur la petite partie. Voilà. Donc sur la partie que l'on a pliée de 2 cm, on va venir mettre de la colle. Ou du double face comme vous voulez. Alors moi je cherche un chiffon parce que je suis toujours pas chez moi. Voilà, donc on a mis la colle sur la petite partie et on va prendre notre grand papier en fait et on va venir coller ce morceau sur l'arrière de la petite partie. Donc on a notre papier qui est comme ça, je vous avais montré, et on colle ça sur l'arrière. Donc ça va donner ça. On va bien le centrer. Et comme ça, on va pouvoir après coller de l'autre côté de façon à avoir
notre support en dessous. Alors, moi, je cherche toujours un chiffon. Normalement, j'en ai. Ah, j'en ai un. Voilà. Hop. Hop. On fait de l'autre côté. Donc, ça, ça sera l'envers. Si vous avez un sens à votre papier uni, en fait, moi celui-ci est texturé d'un côté, donc vous faites bien attention où vous allez le mettre. Donc une fois que cette petite partie-là est collée, on va venir prendre notre support et venir coller la partie qui va tenir notre support à post-it droit. Donc on va mettre de la colle en dessous. Je vais faire un petit tracé pour hop, mon crayon est là. Donc je vais faire un petit tracé derrière pour voir jusqu'où je vais mettre de la colle d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc j'ai fait un petit tracé. De toute façon, il ne se verra plus après où je le gommerai, peu importe. Et on va venir mettre de la colle sur tout ce côté. Voilà, donc je le prends et je vais le poser bien au milieu, bien en limite, voilà, et normalement il est posé. Alors je le mets bien en limite, je fais attention qu'il soit bien au milieu, je retire le surplus de colle. Voilà, et je viens appuyer. Voilà. Donc, notre partie support, la première, est collée. Ça, c'est mon petit chien. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, après, on va prendre la grande partie que je vous avais dit, en fait, pour renforcer. Et on va venir faire un pli aussi en haut à 2 cm, de façon à le recoller dessus, comme ça, en dessous, de façon à pouvoir renforcer. Donc, on va mettre de la colle sur toute la partie qui est là, en premier. La partie où on a plié à 2 cm. J'ai mis de la colle, j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. Il va y avoir du papier design collé dessus. Alors, mon chien rouspète parce qu'il y a des tractopelles dehors. Et du coup, il doit se demander ce que c'est. Donc, on vient le coller ici, pareil, comme ça. Hop, on fait bien attention que ce soit bien bord à bord. Voilà, ça y est, c'est fait. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, ce côté-là, il est collé. Je vais prendre mon petit plioir. Je vais passer un coup derrière. Oh là là. Et ouais, quand on prend du papier un peu brillant. Voilà. Et ensuite, après, je vais venir mettre de la colle sur toute la partie qui est en dessous, donc celle-ci, plus le petit morceau qui reste. Ou alors vous mettez du double face. Voilà. Et je vais venir le coller en dessous. Hop. On aura notre papier déco hein, qui va venir dessus. Donc, hop, on le met bien. On le place bien. Qu'il soit bord à bord. Voilà. Et on vient le coller. Comme ça, notre structure, en fait, va être renforcée. Et elle sera beaucoup plus rigide. Le papier qui est à l'intérieur, derrière.
celui-ci, je vais le faire aussi. Hop. Que ça colle bien. Alors là, il manque un peu de colle. J'en ai pas mis assez. Hop. Voilà. Et voilà. C'est tout bon. Là, de toute façon, ça va être caché. Voilà, donc cette partie là en fait c'est cette partie qui est là pour pouvoir tenir notre notre structure. Ensuite après on va prendre nos parties déco. Alors la première on va la mettre là et les deux autres qui font les mêmes dimensions on va en mettre une ici et une derrière. Alors je vais coller d'abord celle qui va aller derrière, ici. Donc, c'est celle qui fait 7,5 par 11 cm. Hein. Voilà. Hop. On le met derrière. On cache en fait ce que l'on a fait. Donc je vais coller mes parties déco. Alors, et donc, puis du coup, je reviens. Nos décos sont collés sur le devant et sur les deux côtés. Donc là, ça sera la partie où on va venir poser notre petit paquet de post-it. Voilà. Et sur l'autre, en fait, on va venir y poser la déco que l'on veut. Alors, moi, pour cette nouvelle déco, celle-ci, j'avais fait comme ça, en fait. C'était avec un dice que j'avais acheté chez Wish, où vous avez tout à l'intérieur. Vous avez le tablier, vous avez le rouleau à pâtisserie, les petits ustensiles, les pochettes et tout, qui se découpent au dice. Sauf que sur celle-ci, j'ai dit, je vais faire autrement. Donc, j'ai fait le tablier plus grand, plus large, et je suis venue mettre une petite pochette où à l'intérieur, une fois qu'on aura écrit nos courses sur le petit post-it et qu'on veut le garder, eh ben on peut le venir le mettre en fait dans la pochette. Voilà. Alors, pour faire ce tablier, donc j'ai pris de largeur, j'ai fait 10 cm de large sur le papier, il fait 13,5 de haut. Ensuite, après, je suis venue faire mes encoches sur le côté en arrondi avec mon compas. Donc là, ici, au milieu, pour la bavette, j'ai pris 3 cm. Voilà. Et pour le haut du tablier, pour aller jusqu'à la bavette, j'ai pris 9 cm. Ensuite, après, pour venir faire la petite pochette, j'ai fait un demi-cercle. Le premier, il fait 4 cm, le demi-cercle. Et le deuxième, il fait 2 cm. Ensuite, après, pour faire la déco, j'ai donc pris mes dies. Et ça, vous pouvez très bien aller le chercher aussi sur Internet. Vous tapez sur Google, ustensiles de cuisine, dessin. Et ensuite, après, vous les découpez. Ensuite, après, j'ai pris du tissu. Alors, pour faire le fronçage, vous prenez une aiguille, du fil, une toute petite bande de tissu. Et vous passez votre fil et vous froncez. Et ensuite, après, vous venez le coller derrière votre demi-cercle avec du pistolet à colle. Voilà. Après, pour le deuxième... En fait, vous allez, moi j'ai pris de la dentelle et vous faites exactement la même chose. Vous faites attention quand vous allez coller en fait votre demi-cercle avec le tissu, de ne pas coller ici en fait à l'intérieur pour pouvoir venir mettre soit un crayon, vous voyez, il tient, hein, ou alors mettre un post-it ou mettre un petit papier que vous avez besoin. Et sur celui-ci, vous avez aussi... vous pouvez laisser quelque chose, un tout petit crayon ou autre chose. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, après, je suis venue ancrer les côtés. Là, j'ai fait des petites bandes
Alors là, j'ai fait des petites bandes, le même que pour le tablier. Ici, moi, je suis venue recoller derrière parce que ça va se coller comme ça. Donc, je suis venue recoller le même papier en fait qu'il y a sur le devant. Comme ça cache mes petites bandelettes où j'ai mis pour faire le tour du cou. Voilà. Après, vous pouvez mettre des petits nœuds, vous pouvez mettre, moi j'ai mis des coccinelles, des fleurs. Vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Mais voilà, je vous ai montré à peu près comment faire. Donc le demi-cercle qui fait 4, le deuxième demi-cercle qui fait 2. Ensuite, vous prenez un tissu, vous prenez une aiguille du fil, vous le froncez. Et ensuite, après, vous venez le mettre derrière votre demi-cercle et vous venez le coller au pistolet à colle. Et ensuite, après, vous collez votre structure où vous avez votre tissu sur votre tablier. Voilà. Et ensuite, après, vous n'avez plus qu'à coller, en fait, votre petit tablier sur le devant. Et vous n'avez plus qu'à mettre vos post-it que vous collez et que vous pourrez changer ensuite après. Voilà. Et vous pouvez soit mettre un crayon ici. Voilà, j'ai mis mon petit... Comment? Vous voyez pas bien, je vais vous mettre un peu plus haut. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un crayon. Là, il n'est pas collé, hein, mais je vais le coller. Soit un crayon, soit vous mettez votre crayon derrière, puisque la structure le permet. Même mon crayon de papier, il tient. Là, vous pouvez mettre un crayon dedans. Ou alors, vous avez fini de marquer ce qu'il vous faut en course. Eh bien, vous le mettez ici. Et comme ça, vous avez votre petit cahier à post-it qui est prêt. Voilà. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Je trouve ça pour mettre dans la cuisine. Je trouve ça bien parce qu'on cherche toujours du papier et du crayon quand il nous manque, tiens, on n'a plus de pâte, tiens, on n'a plus de riz, on le note. Et en fait, voilà, et on peut changer notre post-it. Et notre structure à post-it, en fait, elle tient. Hein, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à la décoller pour la changer. Voilà. Même le dernier, il se décolle. Hein, tout se décolle très bien. Voilà. Donc, ça n'abîme pas notre structure. Et on a des post-it dans la cuisine qui sont à portée de main. Mais celui-ci, je ne vais pas faire d'autres décos. Là, ici, je suis venue mettre une petite épingle à linge en plus. Et puis en bas, je suis venue mettre une petite salière que j'ai découpée aussi avec le dies. Et là, une petite manique et un petit nœud. Mais sur celui-ci, comme le papier est déjà assez joli, je ne vais pas faire plus. Voilà. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je souhaite la bienvenue à mes abonnés qui viennent de s'inscrire en fait sur ma chaîne. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!